chaîne Tortue Cartour et découvre les autres vidéos de Nico et Cécile sur Tortue Cartour. Ça y est. Non. Ça a recommencé. Et aujourd'hui, le caméraman, c'est baisé. Ouais, il est pas bon. Hein. Non, il est pas bon. T'es sûr que c'est toi qui vas filmer aujourd'hui? Eh ben, on est mal. T'es sûr? Ouais. Bon, et donc, alors c'est salut les amis. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons aller voir Max. Ouais. Mais tu filmeras pas Max? Non, bah non. Ça serait trop simple. C'est montrer Max. Non. Bah, comme on avait promis, en fait, dans la dernière vidéo, on va vous présenter l'entreprise où on a trouvé Max pour. On ne sait jamais si vous cherchez aussi un véhicule de ce type. Voilà. Ou d'autres choses, parce qu'il fait pas mal de choses, ce monsieur. Ouais. Donc, on a une heure de route pour y aller. Voilà. Chez mes parents, ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que va donner la vidéo, parce qu'il y a un temps pourri, n'est-ce pas? Bon, on vous retrouve tout à l'heure, sur place. Donc, nous voilà arrivés ici. Ouais. Ici. C'est ici, hein? Non, si, si, c'est ici. Et donc, on est en Normandie. Ouais. À la chapelle d'Andenne. C'est ça. Hein? Ouais. Et donc, c'est dans le 61. C'est dans la Basse Normandie. Enfin, ancienne Basse Normandie, parce que maintenant, on dit c'est plus une... basse ni haute. Non, c'est une Normandie maintenant. Mais pour situer, c'est plus facile. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on est à une heure d'Alençon. Sur la route qui mène au Mont-Saint-Michel, donc entre... Bagnoles de l'Orne. Voilà. Voilà, pour ceux qui connaissent. C'est ça. Et donc, on est arrivé à l'entreprise Proma, chez monsieur Sylvain Prodhomme. Et donc, ce monsieur, il fait de la location de véhicules, du matériel utilitaire industriel, du mobilier de bureau, du matériel de cuisine professionnelle, occasion et neuf. Voilà. Donc, bah, il vend des véhicules, n'est-ce pas? Donc, voilà. On a trouvé Max, ici. Voilà. Et ce monsieur, je ne sais pas si on voit d'ici, il propose une salle de cabine de peinture. Je ne sais pas si ça se voit. Tagada. Enfin bref, Nico va vous le filmer ça. Oui, on va essayer de faire une petite présentation de son entreprise. Voilà. Si toutefois ça peut intéresser des gens. Mais enfin, surtout qu'il y a toujours des personnes qui cherchent plus ou moins pour faire de la peinture. Ouais, puis bon, il a pas mal de matériel, hein, que ce soit en véhicule léger, en poids lourd, en caisse. Enfin voilà. Il a un lit derrière le monsieur. Voilà, ben bon, je vais descendre. Ok. Et je vous dis à tout à l'heure. Promat vous accompagne dans tous vos projets, petits ou grands, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Vous trouverez dans la description de cette vidéo toutes les infos de cette entreprise afin de pouvoir les contacter. Vendeurs et réparateurs sont à vos dispositions pour vous apporter conseils sur le camion adapté à vos besoins, depuis l'analyse de votre recherche jusqu'à l'achat de votre camion d'occasion, en passant par l'entretien dans leur atelier. Un large choix vous attend. Voilà un camion qui s'en va. On a repeint que l'équipement, on a révisé entièrement l'équipement. Ouais. Et puis le camion passe au mur, il passe au contrôle, SGP, etc. etc. Et là, c'est vous, porte-poteau. Là, c'est vous qui vous occupez de tout. Oui. Vous faites les papiers, les mines. Ah, tout, 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 tout. D'accord. Voilà. Non, c'est important. Et puis passer au contrôle de la grue, enfin tous les véhicules. Mmh. Bon, ça, c'est un exemple. Après, j'en ai un autre. Des camions hors normes, robustes, avec des capacités pour répondre à vos exigences quotidiennes, énergiques pour du tout-terrain, des véhicules sans faille, increvables. Et bien sûr, la longue distance ne leur fait pas peur. Promat, c'est la vente de camions et d'utilitaires d'occasion. La SAS Promat
est une entreprise ancrée dans l'Orne, dans un territoire qu'elle connaît bien et contribue à sa visibilité. Donc celui-ci, il a 95 000 km. Ouais. Et en fait, après, vous visitez l'arrière. C'est... On enlève le plateau et on pose un équipement. Alors, on a des véhicules aussi EDF comme ça, ça peut être intéressant de les nommer. Ça, c'est des véhicules qui plantent les photos EDF jusqu'à 8 tonnes. D'accord. Et on a des caisses comme ça. Alors, ça c'est... Donc ça, c'est les caisses frigo. Si quelqu'un cherche à aménager en fait un camion d'expédition, il peut venir vous voir pour essayer de une caisse. Oui, tout à fait. Je ne peux pas aménager la caisse, mais quoi que ce soit. Oui, non, juste la caisse. On est vraiment plus que... Ah ben voilà le camion qui lui est passé en cabine. Voilà, ce camion-là est passé en cabine. D'accord. Le carrossier était prêt. Et puis par contre, il nous reste toute la partie arrière. Toute la partie arrière à réviser, à changer des pièces vétustes. En remettre en fonction, quoi. Remettre en fonction, d'accord. Refaire les garde-vélo. Celui-ci, en fait, il a été repeint là, dans votre cabine. Tout à fait. Et ça, c'est tout, vous allez voir. Tout type de... Et enfin, on peut dire, sans être pompeux, qu'on fait aussi beaucoup d'activités telles que les chariots élévateurs, et puis alors les racks à palettes, mais aussi tout ce qui est mobilier de bureau, mais aussi tout ce qui est mobilier de cuisine. Je vous montrerai, alors ça c'est en ce moment évidemment, avec les restaurants fermés, etc. Oui, ça ne doit pas être si simple. C'est pas très très simple. Mais c'est un stock qui est constitué depuis les années 90, donc... Ah, le courant coupé. Je vais arriver à voir tout ça. Ça va être difficile, mais... Donc là, vous faites tout ce qui est équipement de cuisine, en fait. Enfin, de... Restauration. Restauration, oui. Restauration, boulangerie, oui. Pâtisserie, tout ce qui est métier de bouche. Donc... des fours, des chambres froides, des vitrines réfrigérées, des pianos. Et ça, on peut dire qu'avec notre activité de vente de carrière et tout, avec la cuisine, le mobilier de bureau, on peut dire qu'on est les seuls enfants. Abonne-toi à la chaîne Tortue Cartour et découvre les autres vidéos de Nico et Cécile sur Tortue Cartour. Ça donne une idée. La cabine de peinture, on l'avait dit, elle fait combien de... 18 mètres de long par 5 mètres de large, 5 mètres de haut. 18 mètres de long, 5 mètres de large. Ouais, 5 mètres de haut. 5 mètres de haut. Bon, on vous a montré dans la vidéo un petit peu l'entreprise de monsieur Prodhomme, Promat. L'entreprise, oui. L'entreprise Promat, ouais. Si comme nous, vous cherchez donc un véhicule un peu particulier, voilà. Donc, vous auriez un petit bout de max.
Bah, ce monsieur, en fait, il fait plein de matériel pour entreprise, hein, donc bah, des camions, que ce soit VL, PL, du camion 4x4, hein, voilà, ou 4x6 d'ailleurs, avec engin, parce que bon, nous, on a un projet un peu particulier, mais ce monsieur vend aussi des camions pour les entreprises, qui peut adapter, qui peut repeindre, qui s'occupe des papiers, enfin voilà, de la mise aux normes et ainsi de suite. Et ils vendent aussi pour éventuellement ceux qui sont intéressés sur leurs entreprises ou de la création d'une entreprise, du matériel, tout ce qui est matériel de bureau, des racks pour du stockage, des élévateurs, voilà, et tout ce qui est métier de bouche. Donc pour la restauration, les boulangeries, ainsi de suite, donc des frigos, des fours, voilà. Enfin bon, on l'a expliqué un petit peu dans la vidéo, mais c'était pour, un petit peu pour faire le récapitulatif, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il pouvait proposer. Voilà. Donc c'est une entreprise qui est en Normandie, à la Chapelle d'Andenne. Donc je vous mets tous les liens dans le descriptif si vous avez besoin de joindre cette entreprise. Voilà, nous, il nous a livré le camion directement bah, chez nous. Voilà. Donc je sais pas, vous voyez, on est en Dordogne, la Normandie, donc il s'est occupé du transport. Voilà. Et il a un site internet aussi. Il a un site internet, ouais, mais on mettra tout dans le descriptif. Voilà. Comme ça, vous avez les coordonnées, le site internet, le mail, enfin voilà, vous aurez tout dedans. Sachant qu'il est proposant au niveau des véhicules, enfin voilà, il a ce qu'il faut, quoi. Oui, il a une belle gamme. Ah, ouais. Il a des caisses aussi pour l'aménagement. Enfin, nous, on n'a pas pris cette option de prendre le véhicule avec une caisse. On aurait pu le faire, mais je trouvais ça trop simple. Disons que dans le projet, on a choisi un véhicule qui était quand même assez petit par rapport à ce qu'on voulait, mais c'est un choix. Voilà, un choix. Bon, t'as hésité avec un autre, mais bon, ça, on vous expliquera tout ça dans une autre vidéo. Ouais. Sur l'entreprise SAS Proma. Voilà, ouais, on a hésité, mais bon. Là, on a fait le choix d'avoir un plus petit véhicule qui puisse passer un peu partout. Et de créer vraiment une cellule derrière à notre image est un peu particulière, mais ça, on vous montrera ça dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas si on fera des plans qu'on vous montrera ou vous découvrirez au fur et à mesure des vidéos le projet se concrétiser. Je ne sais pas. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous préférez qu'on vous montre le projet synthétisé plus que de le découvrir au fur et à mesure. Voilà. Après, dans la précédente vidéo, ils ont vu le premier plan. Oui, il y avait le premier plan, oui, croquis, grosso modo, de ce qui peut être fait, ouais. Voilà. Voilà, après, mais on a toute une autre aventure aussi au niveau de l'Adréal. Oui, on a une autre aventure, ouais, qui est avec la mise aux normes de ce nouveau véhicule, avec l'Adréal, pour le passer en VASP. Voilà. Alors il est déjà VASP, mais il n'est pas VASP caravane, donc on va le faire passer en VASP caravane. Donc ça, c'est encore une autre aventure, et puis surtout qu'on voudrait une cellule un peu particulière derrière, mais voilà, ça c'est une autre, ça sera l'objet d'autres vidéos qu'on vous parlera par la suite. Voilà, bon, moi je crois que pour cette vidéo qui est assez courte, mais bon, c'est voilà, ça nous permet de découvrir une entreprise qui est en Normandie, qui peut vous proposer des véhicules en 4x4. Bon allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous. On remercie Monsieur Prodhomme de nous avoir permis le partage de cette vidéo et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo avec notre aventureux Nico, intrépide, audacieux et toujours entreprenant. Abonnez-vous et activez la cloche.